En toile de fond, ce repas réconcilie le député de la circonscription unique de Mongompoukou et maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Kandou, avec sa base élective qu'il rencontre pour la première fois depuis les dernières législatives. Il s'agit simplement de rattraper quelque chose qui n'a pas été fait depuis, on va dire, un an et demi. Souvenez-vous et souvenons-nous qu'il y a de cela à bientôt 2 ans. C'est le 24 août 2017, mais un mois avant, on a eu quelques événements heureux dans notre circonscription concernant le Parti congolais du travail. Le Parti congolais du travail a donc eu le député de la circonscription, à ma modeste personne. Cerise sur le gâteau, le comité du parti de Mongompoukou a eu la chance d'avoir le maire de la ville de Pointe-Noire, ce qui n'arrive pas tous les jours. Et normalement, c'est ce comité qui devait être le plus heureux, le plus actif, le plus conquérant, parce que son président que je suis, donc le président du comité du parti de Mongompoukou, a désormais double casquette, on va dire double plateau pour les initiés, pour permettre à ce comité d'être plus offensif, parce que potentiellement disposant de quelques moyens. Sans détour, l'élu du PCT à Mongompoukou a trouvé des mots justes pour demander aux associations qui gravitent autour de sa personne d'adhérer au grand et glorieux parti au pouvoir en vue des batailles électorales qui pointent à l'horizon. Au niveau du parti, il est reproché à la circonscription de Mongompoukou d'être apathique, on va dire d'être atone, puisqu'on ne l'entend pas. Et pourtant, cette circonscription regorge des cadres, des leaders d'opinion. Et aujourd'hui, il y a des associations qui nous rejoignent. À ces associations, j'ai dit la chose suivante et je le répète. Ceux qui se sentent amis de Jean-François Kandou doivent être amis de l'arbre qui a produit Jean-François Kandou. Jean-François Kandou a ensuite souligné que, contrairement à ce que prétendent certaines langues, Pointe-Noire n'est pas un bastion de l'opposition, mais une ville frondeuse où les populations attendent de voir la satisfaction de leurs désidérata.